Et salut à tous et bienvenue, je suis Lucas pour vous servir et j'espère que vous allez bien, aussi bien que moi pour notre soirée FF, en tout cas une partie de soirée FF. Ce soir on découvre le raid, bonsoir à tous, bonsoir Blue, bonsoir Yura, bonsoir Abyss, bonsoir Shira, bonsoir ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous commencez bien votre week-end, surtout ça. Et du coup, eh bien voilà, ce soir, comme je disais, petite découverte. On continue en tout cas la découverte de la 6.3. Et merci Nada pour le resub. Dis hola, et ben salut à toi, comment ça va? Encore merci pour la générosité et le soutien, merci beaucoup. Récupération d'une maison, donc ouais, plutôt bonne journée. Ouais, c'est vrai que du coup... J'espère qu'elle est évidemment pas meublée. Mais merci évidemment pour le gros sub. Merci beaucoup. Ah, surtout pas malheureux. Ah bon bah ça va. Allez. Où qu'il est? Là. Juste acheter le nouveau skin de maison Ingashien qui rentre bien dessus, mais sinon pas meublé. Ah ouais. On entend des choses, merci. Merci Rod pour ce resub, merci pour le 41e mois de soutien, merci infiniment. Merci pour la générosité, le soutien à la chaîne, merci beaucoup. Ouais, j'ai déjà fait le docu-texte pour les meubles de jardin. Ah! Il y a une horde de zombies par là. Ouais, faites gaffe, hein. Ouah, mais ça rend trop bien, ça! Ouais. Mais le... La clôture et tout ça, là, mais je... Tout est de base, là, j'ai rien changé. Vas-y, mais y'a un... Non, je regarde si je vais changer mon chez moi ou pas, du coup. Ouais, c'est pas mal, hein. Non, mais trop stylé. Ça pousse en l'air. Et tous les toits peuvent être teints évidemment. Ouais, je me doute. Mais ouais, ouais. Mais vas-y, le skin qui vient avec une source chaude, enfin des bains chauds direct là, mais. Mais juste pour ça, je suis désolé, mais. Ça te sauve un meuble de jardin, le onsen, il peut aller se faire... Ben oui, non mais clairement. Puis, on est d'accord que ça, là, ça vient avec. Ça, là. L'ombrelle et le banc. Ça aussi, c'est de base. Ouais, ben c'est deux meubles de la boutique, ça. Donc, ça fait deux meubles en plus que tu peux. Et salut Tina et Iseline, comment allez-vous? Sur le côté gauche de la maison, même si c'est étroit, tu as des sièges en mode salon de thé. Oh! Vas-y là! Vas-y, attends, je vais juste aller voir le truc vite fait. Il
prochaine, j'imagine. Ah, auberge orientale. Chez moi, ça va pas tarder à changer. Hein. Je l'ai acheté il y a quelques heures hein, sur Agna pour 1,7 million. Ok. Faut que je vois. Faut que je vois comment ça se fait. Agna était le moins cher des 8 serveurs de Chaos. Ok, très bien. Je prends date. Non, mais ouais, très très stylé, j'avoue. Puis sans déconner, t'as les bancs inclus, t'as le onsen inclus, t'as les trucs de thé inclus, t'as... Bon, déjà, le skin est très classe. Le skin va coûter la moitié du prix du terrain. Ouais, bah ouais, j'imagine, oui. J'imagine. Bon. Sur là-dessus. Et bien on va partir pour le raid du coup, on va aller... On rappelle l'objectif d'aujourd'hui, découverte donc de la deuxième partie du raid... Du raid... Mythéorzéen. Donc on va découvrir ça, très très hâte. Alors quels sont les dieux, alors même si... T'as les bains sur le côté du skin alors... Ah oui, regarde Iseline, ouais, t'as les bains inclus au skin de la maison, c'est là. Trop stylé. Allô. Allô. Mais qu'est-ce que... Pourquoi il reste activé? Mais non, con. Allô. C'est bon. Oui. Ça va. Oh, comment ça va? Eh ben ça va très bien toi. Ah bah moi impec hein. On va découvrir des choses ce soir donc moi je suis content. Oui. Et oui, Iseline, oui, c'est intégré, les bains, voilà, voilà. Le bain, le salon de thé, tout est intégré dedans. Voilà, c'est ça. Je me demandais, quand on a le skin pour les grandes maisons, donc je me demandais si c'était pareil avec les petites. Mmh. Ouais, du coup, là. Oui. Mais. Ouais, le skin des bains est différent à chaque fois. Oh, d'accord. Genre, je crois que les bains pour la moyenne, tu as un peu un côté un peu plus naturel avec des rochers et tout. Non, j'ai une maison qui fait un peu ingachin, je vais au-dessus. Je sais pas si s'il y avait beaucoup de Yankee comme moi. Non, ça. Ah, bah oui, ça c'est. Ça... Attends. Ouais, si. C'est... Ah, si, celle-là, ça, oui, bah oui, celle-là, oui. C'est pas celle que j'avais vue, mais oui. Ça c'est la grande. Ah, bah voilà, ici c'est clairement moins étroit là. Ah oui, là... Là, il y a place, là. Ah, là, il y a méga place, hein. Et du coup, derrière... Ah, t'as une petite sortie à l'arrière, là. Ah ouais. Oh, mais de Dieu. Oh, la piscine olympique. Ouais, voilà, du coup, voilà, t'as des rochers. Donc ouais, ça, c'est une grande. Sympa. Et donc, ça, à chaque fois, ouais, ça, à chaque fois, c'est un siège. Ouais, c'est le siège, c'est le truc beige, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il y a... Il y a 8 sièges. 8. Okay. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et 4 pour la petite, donc j'imagine 6 pour la moyenne. Ouais, j'imagine. Et du coup, vite fait, là, voir si on a pas dans le quartier... qu'on voit une moyenne... C'est bien, pour l'instant le quartier est joli, tout le monde a des maisons ingachiennes. Ouais, c'est mais, cool. Mais ça peut vite devenir terrible. Alors, j'ai vu une Uldienne, mais... Ah. Ouais, j'ai vu une Uldienne.
Bon, c'était par là-bas. Bah, droit devant là-bas. Ah, c'est ah, peut-être oui. Ishgardé ? Non ? Non, ça doit être Uldien, ça, je pense. Ça, c'est un nouveau skin. C'est un skin de magasin ou un truc comme ça, je sais plus. D'accord. Je veux descendre. Mais ouais. On va voir vite fait. Oh, c'est sympa, hein, petit, ah oui, non. Petit resto là. Ah oui, non, voilà, c'est un skin de restaurant, c'est ça. Mais oui, oui, il est vraiment très joli. Ah ouais, très très joli. Quand c'est dans le paysage adapté, genre Ishgard ou quoi, ouais, ça rend très très bien. Ah ouais, j'imagine. Que la maison en pierre avec le symbole de Higashi Ryu. Bon. Monsieur, t'avais pas vu? Non, j'avais pas du tout vu. Tu sais, je reculais pour voir la maison de plein pied, puis je vois un mec, qu'est-ce que c'est? PTDR, t'es qui? Ah! Not a bird. Mais j'avoue, c'est cool ces skins. Je sais que ça fait un petit moment qu'ils commencent à en mettre, mais j'avoue que je les ai pas forcément regardés. Il faudra que je regarde s'il y en a pas un qui me plaît à l'occasion. Bah, moi, pour la. Actuellement, pour la maison de CL, j'ai le skin de Forge, il me semble. Voyons voir, vite fait. Compagnie. Va aller visiter la maison, du coup. Mais je veux juste voir visiter le jardin. De toute façon, c'est fermé, donc. C'est en travaux. Ah oui, je me souviens que Isline jouait avec la porte, oui, ça, je me souviens. Ouais. Ouais, c'est tellement stylé. Mais voilà. Ouais, j'avoue. J'avoue, très très classe. Mais évidemment que si, on va les raids. Et le skin global de la maison, je surkiffe. C'est tellement parfait pour empirer d'ailleurs. Ah ouais, clairement. Donc très pierre, bois, ça rend vraiment superbe. Ouais. J'aime vraiment beaucoup. Ah ouais, j'avoue carrément. Puis même les clôtures et tout rendent vraiment super bien, je vois. Je sais plus si les clôtures c'était avec. Attends, on peut voir. Logement. Extérieur. Ah oui, c'est vrai, c'est un skin complet. Non, mais je slack pas assez, je suis pas au niveau de Isline et du coup j'arrive pas à monter. Ah oui, non, parce que Isline elle monte direct. Hein. Ça, c'est même des heures d'entraînement. Hein, Ah bah oui, des heures de slack. ma place est sur le haut du portail. Oui, non, mais oui, ça, on sait. Ouais, on sait. On sait hein, que Potisha Isline c'est en haut du portail. Ah ouais, non mais clairement. Mais ouais, faudrait que je me remette un petit peu plus sérieusement au jeu, histoire de meubler la maison, de CL, tout ça. Ouais, pareil qu'il y a des maisons meublées. Ouais. Ouais, pareil. En plus, ils ressortent plein de trucs là, donc du coup c'est chiant, hein. Faut que je me tienne à jour des skills. Ouais, les derniers meubles en date là, ils sont très très stylés. Ah, j'en ai vu quelques-uns, ouais, vraiment très cool. Vous êtes méchant. Non. Non, réaliste. Tiens, oui, tant que j'y pense et que je vois la vidéo qui est toujours ouverte là, rien à voir, mais dans Elden Ring, pour infuser ses armes avec de la magie, il faut un bâton, hein, on est d'accord? Ça dépend quelle infusion, mais oui. Mais genre, juste mettre de la magie sur son arme. Alors en fait, t'as deux moyens. T'as soit via le forgeron, en gros, tu vas récupérer des items qui vont pouvoir te mettre entre guillemets pour imager un élément sur ton arme. Ouais. Ou alors via les magies, il te faut du coup ton arme dans une main, le bâton dans l'autre et lancer ta magie sur ton arme. Et voilà. C'est ça la question que je posais. Oui. Voilà, la deuxième option. Donc oui, il te faut l'arme et le bâton. Ok. Ou enfin, on va dire plus généralement l'arme et le catalyseur magique, quoi, parce que. Oui, d'accord.
Ok. Mais oui, oui. C'est vrai que c'est pas... trop un bâton, hein. Oui, bah, pas le choix, hein. Trop un bâton. En sachant en que... fait, je... ça me fait un peu chier de délaisser la magie, mais en même temps, les sorts, on va dire, basiques que tu lances, et voilà, ça fait des dégâts, je... Bref. Est-ce pas... Ouais. Quand même rester un peu dans l'RP samouraï, quoi. Oui, oui, bah oui, je comprends bien. Mais voilà. À savoir que oui, je pense que toi, ce qui pourrait être, entre guillemets, plus intéressant, si tu veux te contenter du gameplay plus samouraï, ce sera du coup les infusions via le forgeron, mais ça, c'est un peu plus tard. Ouais. Ok. Mais ouais. Voilà, ça. Le SAV Elden Ring, c'est fini. Ouais. La parenthèse est close. Non, mais pas de soucis, c'est la question, n'hésite pas. Hein. Allez hop. Bon, du coup. Let's go. Découverte du raid ce soir. je sais plus où ça commence où déjà. Mordona. Je crois que c'est au Mordona, ouais. Faut aller parler à Derek. À l'explorateur Derek. Bah quoi, c'est comme ça. Ouais, non, mais c'est que j'avais oublié comment il s'appelait, du coup. Ouais, Derek, hein, du coup. Ouais, du coup, ouais. Ah, du coup, on Phalos, c'est ça. Oui. En effet, c'est Derek. Hein. Ah, retour en Phalos, et bien let's go. Tiens, Milan, je sais pas ce que tu commences à te demander s'il y a du nouveau du côté d'Omphalos, n'est-ce pas? Il est vrai qu'un certain temps s'est déjà écoulé depuis que les élèves de Baldessian ont officiellement accepté de nous assister dans l'étude des dieux yorzéens et de leur domaine. D'ailleurs, Ratia vient tout juste de me contacter à ce sujet. Les travaux de recherche qu'il a menés à Charlian avec Krill ont semble-t-il porté leurs fruits. Il m'a donné rendez-vous au lac de Pleur-Argent pour discuter de leur découverte. Ça tombe bien que tu me rendes visite maintenant. Ne perdons pas plus de temps et allons... on y va. C'est vrai que ça tombe bien pile poil maintenant, hein, je veux dire. Et là, il ne se passe rien. Allez, voilà. Qu'est-ce que... Oui, il y en a déjà un qui est à moitié mort. Mais pourquoi il est habillé en... J'allais dire en récolteur, mais non. En glaneur. En glaneur, voilà. Gratia, qu'est-ce que tu transportes sur ton dos? Ça a l'air de peser une tonne. Il a amené son matériel de Ghostbusters. C'est ça. Cet appareil, c'est un prototype, une petite merveille, tout juste sorti des laboratoires Charlayané. Je présente l'hétérographe. Il a fait la route depuis Charlayan avec ça sur le dos. Je vous conseille qu'il est pour le moins encombrant, mais c'est parce qu'il est capable de miracles. Pour faire simple, il peut mesurer l'activité des flux éthériens environnants et transcrire leur forme d'onde grâce à un reproducteur éthérien, l'élément qui s'éclaire en bleu. Les données ainsi obtenues peuvent ensuite être compilées et analysées à loisir. Ça a l'air encore plus lourd que l'équipement des Ghostbusters. Oui, clairement. Puisque comme nous avons pu le constater, le domaine divin est protégé des yeux indiscrets par une illusion, j'ai suggéré à Krill, de nous équiper en conséquence pour poursuivre notre investigation. Une chose est sûre, il pèse son poids, et comme il s'agit d'un emprunt, en plus d'être un instrument de précision, je te suis très reconnaissante d'en prendre le plus grand soin. Tu m'étonnes. Puis en même temps, elle peut pas le porter, le truc est plus grand que lui, donc... Ouais, Fakel, pardon, je veux dire. Un emprunt. D'ailleurs,
truc il va faire des rayures. Ah ouais, bah au moins, hein, tu l'as su à la trace. Hein. Ça risque de traîner. Hein. Ah, clairement. De la part du conseil, ils nous ont confié l'hétérographe aussitôt après avoir approuvé la poursuite de nos recherches. En plus de nous accorder un généreux financement. Oh, le pognon! Messire Bardier m'a assuré que la réduction des effectifs des élèves de Baldession n'entamait en aucun cas sa confiance à notre organisation et que le conseil soutenait pleinement nos activités. C'est à tes efforts que nous le devons, Nélan, ainsi qu'à ceux de tous les héritiers. Ceci étant dit, nous ne pourrons pas nous reposer indéfiniment sur la générosité du conseil. Les fondations des élèves de Baldession doivent être reconsolidées, et le succès de cette opération en sera la première étape. C'est dans ces cas-là que j'aimerais beaucoup trop faire Eureka pour avoir l'histoire de tous les trucs de Baldession et compagnie, mais... Pff. Ouais. Ouais, mais flemme Eureka, quoi. Oh, c'est hyper chiant. Ah ouais, le peu que j'en ai fait, ça m'a saoulé. Hein. Eh ben, tu vois ce que t'as fait ? Eh ben, y a 4 zones comme ça. Ouais, ouais, et je pense que j'ai pas fait la moitié de la première, hein, donc. Ouais, c'est possible. Ouais, non, mais flemme. Hein. Pourquoi les 12 sont-ils apparus devant nous ? Et pourquoi cherchent-ils à nous affronter ? Il nous faut trouver les réponses à ces questions. Du coup, on va découvrir des nouveaux dieux. Bon, ben, même s'il y en a un, je me suis fait spoil, hein, chier. Hein. Pas relou. Ouais. J'ai bon espoir qu'en privilégiant la diplomatie et le dialogue, nous pourrons connaître leurs intentions et les comprendre. Sur ces belles paroles, que direz-vous de nous rendre à Omphalos ? J'ai donné rendez-vous à Sastokam. Elle nous attend certainement déjà là-bas. À coup de barre, hein, parce que là, je pense que demain, on y est encore. Merci Zlin pour ce resub, merci d'avoir claqué ton prime chez moi, merci beaucoup pour le 41e mois de soutien. Merci infiniment. Parce qu'il y a des screamers même si c'est pas adapté. Ah oui, absolument. Ça entraîne comme ça, c'est bien. Et merci beaucoup Zlin. Bienvenue à tous. Dimor, ce serait pas un hétérographe sur ton dos ? Ça a pas dû être une mince affaire de te faire confier un bijou pareil. On ne peut rien te cacher, même si cette mission va sûrement me valoir un lumbago. Je suis tout excité à l'idée de pouvoir utiliser cette merveille. Dimor, si t'es prêt, que dirais-tu de commencer l'étude des flux éthérés d'Omphalos en compagnie de notre ami Nélan ? Un instant, je me disais que Snowgame et moi, nous pourrions inspecter ce monument. Avec plaisir, je m'étais déjà mis au travail en attendant votre arrivée. Ah, il y en a au moins une qui bosse, bien. Ouais, alors. Oui, bon, elle s'est posée devant, elle a regardé. littéralement. Comme Krill l'avait précédemment établi grâce à une première inspection, les inscriptions gravées sur cette construction prouvent qu'elle renferme des informations encryptées grâce à une sorte d'enchantement. Ça l'a regardé, fait ouais, c'est un caillou. Ouais, ça brille, c'est magique. Ouais. Qu'une idée de ce que c'est, mais ouais. Avec le foulard, moi déjà. Ouais. Est-ce que j'ai fermé le gaz avant de partir?
Avec l'aide d'éminents spécialistes en archéologie, j'ai conduit une analyse poussée qui m'a amené à une importante découverte. Une découverte capitale même. Ah oui. Il s'avère que certains symboles sont absents, ce qui rend les inscriptions illisibles. Voilà, quand je te disais que tu disais ouais, elle a bossé, il y en a une qui a bossé au moins. Alors. Ouais. Attends, tu vas voir. Alors en fait, elle a bossé que. Il manque des lettres, du coup j'arrive pas à lire. Très bien. En conclusion, on n'est pas plus avancé, c'est ça? Bien au contraire. En recherche scientifique, les échecs sont aussi utiles que les réussites pour parvenir à l'objectif qu'on s'est fixé. Oh, fais attention avec ce doigt. Oui, comme c'est une rocadine, il est plus gros que d'habitude, donc faut faire très attention. Fais gaffe où tu mets tes doigts, hein, je veux dire. Un accident est vite arrivé. Hein. Nous avons au moins appris que le langage de ces inscriptions ne nous est pas totalement inconnu. Si nous parvenons à trouver les pièces manquantes du puzzle, nous pourrons lire ce qui est écrit. Et où va-t-on les trouver, ces pièces manquantes? En demandant gentiment aux dieux, j'imagine. Eh bien si, mon cher Ra, c'est exactement notre plan. Il désire plus que tout nous affronter les humains, n'est-ce pas? J'ai dans l'idée qu'ils se montreront réceptifs si nous les sollicitions. Suivez-moi, nous allons vite en avoir le cœur net. C'est, je veux bien vous affronter, mais en échange, vous pouvez m'apprendre à lire. Courage, ma petite Snowgame, t'as tant attendu ce... Oh, petite. Ouais. Jacqueline fait 3 têtes de plus que tout le monde, hein, donc bon. Rappelle-leur des voûtes célestes de la légende, après la foudre et le feu vient la terre. Et ça tombe bien, je connais justement de l'incantation qui va nous ouvrir ses portes. C'est bonne tuerie. Bonne tuerie, ouvre-toi. C'est une expression consacrée que tout le monde connaît à Gridania, dans la divine protectrice, c'est Nofika. Allez, donnez de la voix avec moi. Oui, invoquez Mommy. Ben j'avoue, Gridania, moi je viens de là, hein, donc... Attends, Zabetui, ouvre-toi. J'imagine littéralement ton perso qui fait Attends, ouvre-toi. Exactement. Bon, du coup, Nofika, à quoi elle ressemble, Nofika? C'est le dieu qui a fait péter un plomb à tout le monde. Ah. Ouais, tu comprendras. Comment t'es qu'il n'y ait pas de ressources, c'est parfait. Il se trouve que j'avais très envie de vous rencontrer, moi aussi. Oh, au secours. Ah oui, autre stylé. Mais oui, je comprends. Oui, ouais. Du coup, je comprends pourquoi. Ah, elle a des arguments convaincants, disons. Ouais, elle a travaillé les poumons. Hein. Waouh, incroyable, c'est la vraie Nofika, en chair et en os. Très très classe, cela dit. Oui, ouais, ouais. Le retour de Dodon. J'avoue. Oh, mais tellement. Oh, exactement comme la légende l'a décrit, c'est fascinant.
La légende dit qu'ils sont aussi gros, hein. Ah ouais. Dans une autre vie, elle était danseuse. Ah, au secours, hein, les refs. Hein. C'est un honneur de faire de votre connaissance, Tofika, si vous permettez. Pourriez-vous nous dire pour quelles raisons vous souhaitiez nous rencontrer? Nofika, la mère. Il me semble que vous êtes intéressé par des inscriptions sur un certain monument, n'est-ce pas? Si vous acceptez de nous affronter, moi et les autres dieux, je vous donnerai la clé de cette énigme. Nous n'en demandons pas tant, mais êtes-vous bien sûr? Mirgoth et les autres ne semblaient pas vraiment enclins à en partager vos secrets. Il y a même une physique aux doudounes, ils ont pensé... Ah oui, la doudoune est très modélisée et animée, hein, attention. Ah bah une doudoune se doit de rebondir. Hein. Ah oui, une doudoune doit être bien rebondie, je veux dire... Depuis notre domaine, nous scrutons très attentivement chacun de vos faits et gestes. Vos sincères efforts pour apprendre à nous connaître ne sont donc pas passés inaperçus. Ainsi, tous ensemble, nous sommes parvenus à la conclusion suivante. Même si vous découvrez la signification de ces inscriptions, vous répondrez favorablement à notre souhait. Ilan, sois certaine que si les humains se montrent coopératifs, les dieux feront eux aussi preuve de bonne volonté. Sur ce, mes chers enfants, je vous attendrai dans mon domaine. Ah oh oui, mommy. Bon, moi, on a découvert une sur 4. Oui. Pour te dire, Nilan, j'avais l'intention d'aller mesurer les flux éthérés dans les voûtes de la foudre et du feu que nous avons visité la dernière fois. Mais l'invitation que Nofika vient de nous adresser me paraît difficile à refuser. Ah, le boulot attendra, les doudounes, maintenant, go. Allons mesurer la doudoune. J'ai jamais vu des doudounes aussi volumineuses. Vite, mes instruments. Bah, faut pas mourir, hein. Ah, c'est compliqué. Grâce à l'incantation de Stogame qui a parfaitement fonctionné, les portes d'un nouveau domaine nous sont désormais ouvertes et au bout de celui-ci, la vérité nous attend. Je suis tellement impatient de découvrir les relevés de l'hétérographe. Rad et Lad, c'est à vous de jouer! Avec les doudounes? On est deux. Parfait! Il y aura clairement pas besoin de SAV doudoune. Ah ouais, non, là, le SAV doudoune a compris la leçon, je crois. Ah là, c'est bon, ils ont été livrés gonflés, tout va bien. Il n'y a pas eu de dégâts pendant le transport. Clairement pas, là. Derek, pourrons-nous compter sur votre talent de guide? Ouais. Oh oui, guide-nous. Ah, désolé, ce sera sans moi. Ah non! Maintenant qu'on sait ce qui nous attend. Ah, plus pour nous. Hein? Hein? Quoi? Oh, rien, je... Ah, non, entendu. Oh, ça a lagué, là, je comprends pas. Ouais, il y a eu un coup de vent, là. Maintenant qu'on sait ce qui nous attend à l'intérieur, je pense pas que ma présence sera nécessaire.
Très bien, c'est vous qui voyez. Cela dit, il est très rapide. À la place de prier ensemble pour que nos amis remportent la victoire. Je suis heureux de pouvoir faire équipe avec toi, Dylan. Même si avec cet énorme appareil sur le dos, j'ai bien peur de ne pas être d'une grande utilité au combat. Quoi qu'il en soit, tu peux compter sur moi pour récupérer un maximum de données, afin d'en savoir plus sur les douze et Orzéens, sur les dieux et Orzéens, pardon, et leur domaine. En route pour la voûte de la Terre. Tellement cool cette musique. Oui. Du coup, on n'a pas les trois autres qui viennent se ramener en mode « Ah ah ah, on est méchants et on va vous tuer. » Non, c'est surprise. C'est pas plus mal, tu me diras. Oui. Oui, parce que j'avoue que au dernier raid, on a vu les quatre directement. C'est un peu beaucoup. Ouais, bah ouais. Il n'y avait plus de surprise. Bah c'est ça, je suis assez d'accord. Bon, même si en soi, le trailer nous a tout montré. Ouais, mais j'ai pas vu le trailer. Ouais, c'est ça que je disais, t'as bien fait. Ouais. Oh, on peut monter là-dessus. Il y a juste Nofika qu'on n'avait pas vu parce que. Je te dis, tous les joueurs ont pété un câble sur ce dieu. Ouais. Voilà. Ouais. Pour des raisons évidentes de rebondissement. Pour des raisons d'argument, ouais. Ouais. En soi, on avait déjà le skin de Nofika parce que sur la. Comment dire, sur le wiki, on avait déjà un art d'elle. Ouais. Et au final, oui, il a pas beaucoup changé, mais. D'accord. Et elle avait déjà des fameux arguments, donc. D'accord, très bien. C'est pour ça que tout le monde a pété un câble. Ouais, je vois bien la source voilà. Du problème. T'as le coup, cette musique, tu le sors à chaque fois. Mais j'y peux rien s'ils font des musiques trop cool. Ouais. Font des musiques trop cool, du coup, moi je le dis. Du coup, qui c'est qui veut venir? Oula, il a du mal à sortir celle-là. Bon, Iselin, elle a rattrapé, évidemment, pour venir avec nous. Bah, y'a intérêt. Non, j'ai rien rattrapé. Je suis extrêmement déçu. Eh, vas-y, tu saoules, hein. Tu sors la même phrase pour la même musique. Ouais, mais la dernière fois qu'on a entendu cette musique, c'était il y a 8 mois. Hein. Ouais, littéralement. Ouais. Du coup, désolé si je me souviens pas quelle musique j'ai dit à l'été 1, tu vois. Bon bah allons-y, hein. J'ai passé 2 jours à comater et dormir. Oh là, mais ces gens qui sont malades là. Ouais. Moi je comprends pas. Bah avant de comater t'avais le temps. Hein. Du coup c'est Euphrosyne. Ok. Ouais. Et bah let's go, hein. Let's go. Qui va il? Ah malheureusement Rod est pas là ce soir. Ouais. Rod a dit « Ouais, je suis occupé, c'est chiant. » Ça, Rod dit Red. Mais. En d'un seul mot. Mais pas le même Red. Exactement. Ça, Rod dit Red. C'est exactement, le Rod dit Red. Rod actuellement, il fait feu. Ah, il fait feu. Même si voilà, c'est toujours un plaisir d'entendre Rod crier quand on fait du raid, hein, je veux dire. Ah oui, mais... ma soirée n'en est que meilleure. Ah oui, non mais je comprends totalement, hein, c'est pareil pour moi. Hein. Du coup, oui, la dernière fois, on avait ouvert 2 trucs, et là, il n'y en a qu'un qui est ouvert pour l'instant. Hein. Ouais.
Vas-y là, non mais les gens... Ouais, c'est toujours les mêmes. Hein. Non mais clairement. Putain, y'a même pas de barrière de sécurité enfant ici. Si, mais c'est une sécurité magique. Ah. C'est la sécurité divine. Oh, il est débile. Waouh. Complètement con ce canard. Ah ouais, ouais, ouais. Et Dieu sait que c'est con le canard. Et du... Non mais vas-y, vas-y Léa, 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 Léa. De Dieu. Chier hein. Ces gens qui taguent et qui partent pas là dans mes où et où hein. Ah ouais ouais bah On va savoir où d'un moment vous voulez jouer ou pas. Bah clairement. Les healers vont faire chier, je le sens. Bah le premier coup c'était un DPS, le deuxième coup c'était un tank. Ouais. Ouais ouais. Je sens que le dernier ça va être le heal hein. Et bien, évidemment. Mais je vais sauter. Ah. Ouais ouais, super bien ouais. Quand même. Des gens qui jouent là un peu. Du coup, vu que c'est en raid, est-ce que t'as les 24 photos des gens? Non, seulement de ton équipe. Ah, ça, autant mieux. Oh. Oh, c'est Yggdrasil, je reconnais. Oh bon, ça a changé l'entre-terre. Ah oui. Le moment est enfin arrivé. Oh la musique. Ouais ouais elle est très stylée. Montrez-moi la pétulance de l'humanité. Ah, montrez la pétulance, quoi, tu vois. Ouh. Contemplez la fertilité dans toute sa splendeur. Waouh. Sentez-vous battre le cœur de la planète. Ouais, les mechas elles surprennent au début. Hein. Ah, j'étais pas prêt. Nourrissez les terres fertiles. Oh, ce remix, mais il est trop bien. Oui. Que ce qui a été semé soit récolté. Oh, récoltez-moi. Ah oh, non, je veux pas me faire récolter. Que ouh, l'abondance maternelle. Ah oh, oui, mamie. pas dire, mais oui, très très abondant.
Ah oui. Un contraint de reculer, ok. Comme ça. Oh oui, hein. Très bien vécu. Ah. Ok. J'imagine le cri de guerre de tout le monde. Force Totoon. Ah, j'avoue. Praise Totoon. De la mer. Ah, c'est le souffle qui se coule. Ah oui. Ah non, je veux pas être dedans. Ok, d'accord. Premier jour, j'ai rallié. Tu m'étonnes. Quelle extase d'admirer ce dont vous êtes capable. Oh, ah oui, admire. Pardon, mais je suis en kiff sur la musique. Hein. Ouais, 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 elle est incroyable. Ah Oh putain. Oh, c'était tellement pas loin. Oh, the way. Oh, the way. Comment ça, j'ai ah. Oh, que dalle. Ah. Ouais, de Dieu. Ah, putain. Ok, ça. Ouais, de Dieu. Ah. C'est bon. Ouais, c'est bon, je suis pas dedans. Vous allez vous prosterner. Oh, je vais canner. Peut-être aussi. Bon, ça va. Oh, oh, les récoltes sont dures. Révélez-moi vos capacités insondées. Oh oui. Oh oui, mamie. Ok, bleu. Putain, t'as pas été rattrapé, hein. Bon. Pourquoi j'ai un Tank Buster? Ah. Pourquoi j'avais un Tank Buster? Ouais, c'est parce que notre tank il s'en bat les couilles. Bah oui, du coup je recrève parce que j'ai pas été là. Ah, Dakantai! Vas-y là! N'abandonnez jamais. Ah, mais forcément, y'a pas Rod. Ouais, non, mais clairement. Hein. Ah, je kiffe le mec qui me cible pour me heal, fait pour me raise, mais en fait il se casse. Ah. Bah je m'en fous, j'y vais à pied, bon je vais voir à quoi ça ressemble. Ah oui. Il y avait un tank dead dans une alliance. Ah, j'ai pas fait gaffe. Vas-y, fallait que ça tombe sur moi, quoi, Dave. Ah, je vois des trucs qui pop, mais je vois pas ce que c'est nul. Et ils ont déjà commencé? Bah, évidemment. Thank you.
Tu rates pas grand chose, hein, on se fait attaquer par des arbres garous. Oui, ah, littéralement, ouais, ouais. Putain, je suis deg, j'avais presque tout bien d'éviter, je suis mort dans Tank Buster parce que les autres ils sont morts. Ça, t'as pas t'as. Aïe aïe aïe. Aïe, ça fait mal. Aïe aïe aïe. Mais qu'est-ce que. Ah non, hein. Dans le buster, oubliez-moi. Le Tank Buster partagé qui n'ont pas partagé. Très bien. Le contemplateur. Je suis venu aussi. Bah ils sont deux. Oh. Tiens donc, je ne m'attendais pas à te voir ici. Donc Altic et Nimeya. Intéressant. Mm-hmm. Du coup c'est Anne Noyel. Mortel, nous serons vos adversaires. Noyel. Bah oui, le sein de Nimeya. Ah oui. Laissez-moi tisser les fils de votre destin. Destin amoureux. C'est dur d'être dans le champ de vision, ok. La grande hache de Mithrine. Mais Michel, faut mettre des Tank Busters, mec. Des la mitigation. Bah ouais. À vous d'affronter votre destinée. Ah tu m'étonnes qu'il y a des tanks qui meurent dans les autres alliances. Bah ouais ouais. Se plie à ma volonté. Si ouais si Nimeya est dans le champ de vision donc. Oh. Ah, barre-toi toi. Encore pas faire peur. Oh putain. Noyé sous la puissance de la pesanteur. Soyez engloutis par le déchaînement de l'eau divine. Oh. Ça fait des vagues. Oui. Oh, il y a une hache de Mithrine qui part. Et un tank est mort. Mais c'est une autre alliance maintenant.
Non, reviens. C'est quoi cet angle de Wish? Ah ouais, non mais clairement. Ah. N'est pas dans le champ de vision. Oh ah oui, bah il y en a une là... qui a pas regardé. Bah bisous, hein, Jacqueline. Ah, il y en a même deux. Toi, t'as pas intérêt à bouger. Bon, mais c'est quoi tous ces morts? Ah, je sais pas ce qu'il faut. Ah, le tank cher, mais qui cher tout seul. Ah non, c'est bon. Ah si, cher tout seul. Oh, le mec, il s'est barré, quoi. Gardez le fil du temps. Elle est trop loin. Ah non, pas l'eau. Inversé. Ah. Mais... C'est bon, ce font des ravages. Ouais, j'avoue, ouais. Ah oui, ils sont très vénères. Montrez-moi ce que vous savez faire. Non, 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 non! Canard! Et on réussit. Oh putain, et du coup, j'ai pas eu le temps de me dégager, vas-y là. Ah, oh, vas-y! Putain, mais. J'ai invité non plus. Brillez dans votre fugacité. Non, mais sans deck, première fois, je meurs parce qu'il y a un tank qui est mort et du coup, je prends le tank buster. Deuxième fois, je meurs parce qu'il y a un mec qui vient sur moi avec son AO. Mais. J'en ai plein cul! Ah, que les étoiles scintillantes sont belles. Ah, du coup, ça me fait... Ah non, je peux pas. J'ai tant attendu ce moment. Telle est donc votre destinée. Bien. Je vous invite à me rejoindre sur le champ de bataille suprême. Ouais, ben encore, hein, du coup. Je vais me faire foutre, hein. Ah. Ah, chier.
Il y a jambes de faucheur ou gants faucheur. Cela dit. C'est qu'un par semaine. Hein. Ouais, bah ouais, c'est pour ça, ça fait chier. Oh, oh, trop stylé. Ouais. Ah, bon, du coup, c'est là qu'on va affronter celle où je me suis fait spoiler, j'imagine. Oui, 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 oui. Ça me paraît logique. Oh oh, oh hey. Non mais hein oh, putain non mais là. Oh, secours. Calmez-vous. Et non. Aucun doute, notre prochain adversaire sera bien Alon, la conquérante. Mmh. Espèce de champ de bataille avec toutes les lances plantées. Là. Mais oui, non, puis avec les deux lunes derrière, le château à côté, non mais. Pff. Ouais, en termes de décor, ouais, ça va. On est bien. Vas-y, chier, je lance sur les deux, je lance pas sur les deux. Je lance pas sur les deux, j'ai récupéré les bottes. Les jambes. Et bon, on va s'équiper tout de suite, hein. Quoique. Prouvez votre courage à la conquérante. Donc la voilà. Très Athéna, n'empêche, hein. Que ma lance s'imprègne d'un froid étincelant. Ah. Ok, d'accord. Waouh. Voilà. Ok, d'accord. Pour retenir les cartes. Ah ouais, c'était là. Ok. 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 Ça s'est bien passé. Tout va bien. Allez, deuxième service. Ok. J'aime beaucoup cette mécanique. Oui, très cool. On est en haut à gauche. Personne ne respecte. Regardez. Aïe. Pas moi, démerdez-vous. J'ai déjà donné les Tank Buster. Ah, qui s'est rapproché, il faut pas loin. Oui. Ah. J'ai froid. Ah,
Wouah. Soyez écrasés par la grandeur des glaciers. Oh là. Best animation. Ok. À moi, Égide majestueuse. Ah oui. Wow. Elle nous fait une Susano. Tellement classe. Je peux changer de divinité. Pouvait être éternel. Bon là c'est bon. J'avoue que moi c'était Azema. Ouais c'est Azema aussi. Bon. On va pas changer. Non, je veux bien garder Bambi. On a une très bonne Bambi. Oh non. Oh mais tirez-vous. Pas cette fois. Ah, mieux. Oh, pas mieux. Ah bah. Non. Là, je suis d'accord, je meurs par ma connerie. Ah, ça capote. Oh, j'ai pas regardé. Autre combinaison de mécanique là, mon cerveau il a pété. Waouh, non mais ça enchaîne tellement. Ah oui, ça déconne zéro. Hein. Oh, je vais avoir mon premier res. Ah ben non. Oh, le Hulk, allez, me raise, il s'est fait OS. Sakabaza. Oh. Au secours. Au secours. Il y a tout le monde qui se barre, on est d'accord, hein. Oh, j'ai pas vu. Ah, oh, merci. Oh, pas là. Oh, c'est pute. Ne retenez pas. Avec un quartier de tarte de safe. Ah, faut choisir le bon quartier. Hein. Continuez votre marche en avant. Trop stylé. Oh. Cette armure. Non, celle de. Oh, joli. Ah putain, il y a les bottes de faucheurs. Non, mais ça va là. Ah, oh, et on fait du slide sur les flocons de neige. Oui. Mais à quand l'activité snowboard, hein, je suis désolé. Hein.
Mais non, j'ai pas eu la fin de ma glissade, il y a la cinématique qui se lance, vas-y là. Oh, t'es qui? Date gantelée. Oh, main de finale, la bien aimante. Oui. À nous. Donc au mes total, ça fait 5. Ouais, du coup, ouais. Hein. Ce qui veut dire que pour la prochaine fois, il en reste que 3. Oui. Plus la grande menace dont il nous parlait. Faut croire. Et ils se sont fait plaisir sur les violons sur cette phase-là, ouais. Faites-moi sentir votre amour. La lune bleue. Oh, c'est la lune bleue dans ta gueule. Ouais, bleu les chocottes. Ils sont prêts pour le corps, la main finale. Ah ! Tout bien. Oui, oui. Ah non, ça pue ça. Ah oui, ouais. Et en plus, ça se la pète. Le dash, chier. Ah, j'étais à 2 secondes d'avoir mon dash. Mais barre-toi! Non, mais le pire ennemi, hein, je suis désolé, mais c'est les joueurs! Wow. Le petit chien! Oh, je veux ça! Il est tellement stylé! Je veux tellement ce chien en monture. Non mais tellement, mais je sens venir la monture en mode sadique. Hein. Mais y'a pas de sadique. Ah bah oui, c'est vrai. Ah sois bien. Ah ouais, ouais, on s'éclate, ouais. Ah. Ah d'accord, ok. Il y a un truc que j'avais pas encore que je viens de comprendre. Ouais. Ok. Oh non, la lune bleue.
Oh, j'ai pas regardé, j'étais safe. Oh, j'ai failli toucher la zone extérieure. Ah, ça glisse. Ça va, du bon côté. Ils ok. Ouais, c'est bon. J'ai un moment de doute, mais ça va. Je vous aimerai pour toujours, de tout mon cœur. Non, il aime nous. Mais arrête de te barrer, Michel. Ah, la brillance de l'amour. De l'amour. Oui, j'allais le faire, ouais. Là. Oh. Mommy, viens, t'es trop loin pour qu'on te tape. Oui, c'est chiant. Ok. Oh, pas ok. Au secours. Où au milieu. Oh, je... Bah, j'ai pas vu et j'étais du bon côté aussi. Hein. Oh, j'ai la lune dans le dos. Ah, le rayon. Oh mon dieu, il y a plein de gens au milieu. Oh non, il faut curir. Oh, oh, oh. Oh, ça va. Oui, exactement. Ah. C'était moi le connard cette fois qui bougeait. Mais il y a tellement de bordel, qu'est-ce que tu... Je vois pas que c'est moi qui ai la bonne. Oh, vraiment, il y a... En fait, les combats maintenant, il y a tellement d'effets que les zones au sol, tu les vois même plus. Bah, c'est le problème, ouais. Oh, ah, sors de là. Chier. Non. Ah, dommage. Ah, je trouve que c'est tout. Oui. Ah, je me suis fait avoir, voilà, par les lunes à la fin. Voilà encore un peu plus proche de notre idéal. Ah, il y a peut-être la tenue pour Fauchard qui est tombée, mais... Vas-y. Donc il y a eu un full stuff Fauchard qui a looté. Oui, il y a relégants qui sont tombés. Voilà, voilà. Bon, je m'en fous, j'aurais au moins eu les jambes. Et meilleur vœu. Ouais, bah ouais, hein, des bisous. Le pantalon... Mais trop trop bien ce raid, je vais clairement le refaire. Hein. Ouais, il est génial. Oh, c'est un raid de la bêtature. J'ai pas. Magnifique. Oui. Carte, j'ai pas. Ah, yeah, j'ai la carte. Évidemment que non. Bah, moi je l'ai. Il m'a baisé ma carte où j'avais roll 2 90. Ah, bah j'ai roll 94 du coup. Ça me dégoûte. Et du coup, le haut de Faucheur, hein, donc il y a eu un full stuff Faucheur qui a looté. Est-ce qu'on est dégoûté? Un peu. On m'a au moins filé un pantalon. Merci. Oh, les gants de mage, trop stylés. Oui. Oui, il y a vraiment des jolis skins. Ah, c'était trop bien! Je le veux encore! Donc il y aura eu deux morts par ma faute et deux morts de pas de ma faute. Ah, vous allez bien, quel soulagement! Ah oui, il y avait Mommy partout! Ah oui!
Partout où je posais mes yeux, il n'y avait que des arguments. Et promis, je n'ai posé que les yeux. ouais, on va dire ça. maintenant que les mesures sont terminées, il faut retirer le reproducteur. Quoi ? Pardon ? Maintenant que les mesures sont terminées, il faut retirer le reproducteur éthérien. Ah, c'est comme ça que vous l'appelez. Apparemment. je suis mort sur Nimeya, j'ai eu l'aggro quand le tank est mort. Ah, du coup, toi aussi, t'étais mort à cause du tank. Non, mais les tanks sur Nimeya, c'était lunaire. Hein. Il n'y en avait pas un seul qui mitigeait les dégâts. Hein. Ah, mais clairement. Ah, je t'en prie, laisse-moi faire. Hein. J'ai tellement envie de le manipuler. Alors. Putain. Oui, tu es sûr que tu veux manipuler le reproducteur éthérien? Allez, vas-y doucement, hein, le cristal est très fin. Putain, mais. Penche-toi et tous. Mais faut pas trembler, Jacqueline! Ah, tout doux, comme ça. Putain. Et qu'est-ce que vous avez là? Oh, Jacqueline, elle va avoir des doudounes partout. J'ai réussi à retirer le reproducteur sans problème. Il n'y a rien qui va dans ces dialogues. Ah, merci la trad VF, vraiment. Merci parce qu'on a même plus besoin de faire les vannes nous-mêmes, tu vois, c'est... Oui, c'est ça. Le jeu est plus drôle que nous, on dirait... on dirait Use Your World. Ah, clairement. Ah, ça aurait été terrible de perdre nos précieuses données, hein. Restons sur nos gardes. Pourquoi tu t'accroupis? Ah. Oui, pour l'enlever. Mais Jacqueline vient de l'enlever, pourquoi il y a encore? Il en a remis un neuf. Je crois. Eh, c'est possible. Oh, le mec, il a des trucs pour tenir sa cape. Tellement c'est le pimp. Ah oui, rien à foutre. Donc elle tique le contemplateur. J'en perds ma voix. Le souhait que nous caressons depuis si longtemps est sur le point de se réaliser. Acceptez nos remerciements. Par contre, beaucoup trop stylé, Nimeya. Ouais, elle est beaucoup trop classe. Franchement, grand frère, tu as besoin d'être toujours aussi sérieux. Quand tu es content, tu pourrais au moins le montrer. Et puis elle, au moins, elle a une capuche avec des cheveux. Oui. Mais parce que nous, quand on met une capuche, hein, les cheveux, hein, c'est YOLO. Hein. Bah, on a déjà de la chance par rapport à Guild Wars 2, parce que le moindre chapeau que tu mets, oui. Même qui cache pas toute la tête, tes cheveux disparaissent. C'est vrai. Plus. Là, au moins, bon, la majorité des chapeaux continuent à afficher les cheveux, vrai. Mais oui, les capuches, je sais pas pourquoi ça fait disparaître les cheveux. T'as un grand mystère. Les capuches sont maudites. Excusez-moi, mais... Ah, que fais-tu ici, Nofika? T'es pas suffisamment amusé avec les humains comme ça? Moi, en tout cas, je ne suis pas assez amusé. Non... I am not amused. I am not enough entertained. moi aussi j'ai envie de discuter avec eux. Putain, mais j'avoue, les 5 là qui nous ont mis, trop classe. Ouais. Déjà la première fournée de Dieu était ami de Dieu. Ouais, justement, c'était de Dieu. Nofika vous a promis la clé pour déchiffrer les inscriptions sur le monument, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Dans ce cas, vous allez devoir imaginer un support d'enregistrement. Et... Ah oui.
Ne sois pas si vague, voyons. Tu pourrais leur expliquer que tu as besoin de leur aide pour donner forme à ce qui leur permettra de lire les inscriptions. Ne vous en faites pas, la forme n'affectera pas la fonction. Essayez juste de penser à un objet tangible qui sert à enregistrer des informations. Maintenant qu'on a vu les dieux, il faut que je partage une image absolument. Très bien. Alors attends, c'est elle que j'ai envoyée. Hop. Mettre dans le canal FF en spoiler hein, pour ceux qui. Voilà. Très bien. Et voilà, nous avons créé chacun de ces objets d'après l'image que vous aviez en tête. Et ils sont capables de consigner ce dont vous avez besoin, ce dont vous aurez besoin dans votre quête. Voilà. Du coup, c'est quoi ? C'est juste le meilleur edit que j'ai pu voir. Quoi ? J'avoue. C'est juste incroyable. Moi je m'en fous, on l'a sous les yeux, donc si vous voulez pas vous spoiler, oui, regardez oui, pas. Oui. Voilà. Je veux dire, c'est la même. incroyable. Mais tellement. Waouh. Voilà, voilà. Donc ouais, moi j'ai imaginé un téléphone. Oui, oui. Oui, 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 le fameux Memo Quartz. Mais ouais. Qui te colle au cul depuis le début de l'épopée. C'est ça. Quant aux informations que vous cherchez, elles se trouvent à l'intérieur de cristaux disséminés à travers Eorzea. Il vous suffira d'en approcher vos instruments afin que les secrets qu'ils contiennent vous soient révélés. Bon bah, nouveau fond d'écran enregistré. Tu m'étonnes. Nous avions éparpillé ces cristaux pour éviter que les humains découvrent la vérité à notre sujet, mais on dirait que vous leur avez depuis trouvé une autre utilité. Mais quels cristaux ? Oh, les douze stèles ? Oui, oui, oui. Ok. Les cristaux aux quatre coins des Orzea, ne s'agirait-il pas des pierres des douze, ces stèles devant lesquelles les gens vont prier ? Évidemment, j'ai toujours été persuadé qu'elle refermait des secrets. La seule façon d'en être sûr, c'est de nous rendre sur place. La plupart se trouvent près des trois cités-états, mais il me semble qu'il y en a aussi dans le Quartas et le Mordona. Nous aurons plus vite fait de nous séparer. Laissez-moi vous accompagner. Ok. Oui, tu te rappelles pas, on avait emmené les dieux faire une balade la fois passée. C'est vrai que... Oui. Genre, ils s'étaient transformés en petits animaux, là. Oui, j'avais complètement oublié. Arrête, Menfina, t'as bien vu qu'on n'avait pas le droit de s'abuser avec les humains. Et pourtant, c'est l'occasion jamais Momie, de mieux les connaître. Oui, Momie, tu viens t'amuser avec nous quand tu veux. Je veux dire, hein, bon... on va très très bien s'amuser. Nous avons longtemps souhaité avoir cette chance et les risques de ne jamais se représenter. Je partage l'avis de Menfina. Toi aussi, Alan ? Je peux vous assurer que ce désir de mieux vous connaître est partagé. Ce serait pour nous un immense honneur de voyager en votre compagnie. Voilà qui fait plaisir à entendre. Dans ce cas, nous nous joindrons à vous pour nous assurer que vous arriviez à destination sans encombre. Sur ce... Assez vite ! Oui. Vous pensiez pouvoir profiter de la compagnie des humains sans que l'on n'en sache rien ? Nous venons aussi. Putain. Eh, vas-y Timon, viens avec nous. Ah, c'est qu'au bout d'un moment, la ménagerie qu'on traîne derrière, ça va finir par faire louche. Hein. Ouais, clairement. Par contre, j'adore le style de Alan. Ouais, Alan est très très classe. Ouais, incroyable. Comme je dis, ça me fait beaucoup penser à du Athéna ou les trucs comme ça, donc...
Azema, vous tous, très bien, transformons-nous en mascotte et choisissons chacun un humain avec qui voyager. Ah, je voyage avec Mommy. Choisissons-nous un humain. C'est promener votre humain de compagnie. J'espère qu'on se fera pas trop remarquer. Adopte ton humain, c'est ça. Hein. Bon, qui est quoi qu'on rigole un peu? C'est un petit lapin! Pour bon, une fois, il paraît que Alan et Minerve, la boss des quêtes annexes de Crazy Score, réunion se ressemble. Pas que réunion, Crazy Score de base, elle y était aussi, Minerve. Et oui, elle se ressemble. Oh, ah oui. Oui. Ah oui, 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 oui. Oui, c'est plus que de la ressemblance, là, je... Voilà, bon. Il y a le code couleur, il y a le bouclier, il y a tout. Alors après, ça dépend les versions, mais ouais, niveau couleur, on est sur quelque chose de pas mal. Alors globalement, voilà. Mais le bouclier, la lance, il y a tout. Ouais, clairement. Voilà, voilà. je m'occupe du Tanalan. Ra se rendra dans la Nocea, Cri la sombre linceul. Quant à Diane, elle visitera le Mordona et le Quartas en compagnie de Derek. Qu'en dites-vous? Mais c'est qui Poitiers Lapin et Poitiers Kirin? Poitiers Kirin? Oui. Ah non, c'est Poitiers Fenrir. Ah oui, Fenrir, oui, pardon, oui. Ah, ça serait partition de combien, Krill? C'est qui? Aucune objection. Et du coup, voilà, pour la petite info, pour ceux qui jouent pas forcément FF, les fameuses 12 stèles que l'on va tous voir, c'est les stèles que tu dois aller voir quand tu joues à 2 et que tu veux faire un mariage. Oui. Et chose que j'ai découvert, quelqu'un qui disait sur Twitter récemment, c'est que à la fin de la 1.0, il y avait une quête qui te demandait d'aller prier sur ces stèles. D'accord. Voilà. Ok, intéressant. Donc genre tu as toi ton personnage a participé à genre la méga invocation pour essayer de sceller Bahamut. Oh, trop stylé. Genre on peut le voir comme ça. Ouais bah oui clairement. Ouais. Mais donc, ouais. Du coup le Fenrir c'est Alon. Pas vraiment étonné. Oui. Bah, et Panty Lapin c'est Manfina. Ouais. Ça aurait pu être Nofika. Ouais, j'aurais plus dit Nofika, j'avoue. Ouais. C'est la première fois que je peux côtoyer des humains, que c'est excitant. Aucune inquiétude pour le domaine divin, il sera bien protégé en notre absence. Mais ouais, quand on veut faire un mariage dans FF, les deux joueurs mariés doivent, avant le mariage et pour bénir entre guillemets leurs alliances, on doit les prier devant chaque stèle des dieux. Ah, les 12? Oui. D'accord. Ouais. Tu me disais que tu devais prier devant celle que t'avais choisie, la divinité. Mais... Non, tu dois tout aller les voir. D'accord. Les dieux eux-mêmes les dieux ont eux-mêmes choisi ce qu'ils voulaient accompagner, mais on est les seuls à se retrouver en tandem. Je me demande bien pourquoi. On est punis. Si j'avais choisi, ça aurait pas été le même tandem. J'aurais choisi un tandem bien plus volumineux. Ouais. C'est parce que vous formez un duo imparable, Nilan, l'héroïne d'Eorzea, dont la force rivalise avec celle des dieux, et toi, l'explorateur qui connaît le monde jusque dans ses recoins les plus secrets. Alan et moi, nous sommes persuadés que le voyage en votre compagnie sera passionnant. D'ailleurs, puisque tout le monde est parti, mettons-nous en route nous aussi. Outre mon cristal, je crois qu'on trouvera ceux de Taliak et de Alon dans le Mordona et le Quartas.
C'est alors qu'elle adore petite créature, ravie de te rencontrer. On dirait qu'il veut se joindre à nous. Alors là, on a rarement vu une équipe plus farfelue, hein. Destin est décidément bien facétieux. Désolé, Nilan, je n'aurais jamais imaginé t'entraîner dans un voyage pareil. Le petit nez du lapineau qui tressaille, c'est trop cavalier. Oui, oui, le lapin il est trop stylé. Je crois que je l'avais récupéré en mascotte en plus, le lapin. Alors déjà, j'ai la BD Mini Alone. Hein. Le BD Alone Fenrir. Voyons voir si je mets le lapin peut-être. Oui, j'avais bien le lapin. Un voyage lapidaire, c'est-à-dire... Restons pas plantés là, allons voir ces cristaux. Y a pas le feu au lac de pleur argent, hein. Oula. Nilan, t'es prête à partir? La pierre de Taliak est la plus proche d'ici, si je ne m'abuse, elle devrait se trouver à Adjel, quelques encablures du lac de pleur argent. Et ils y tiennent à leurs encablures, hein, c'est... Ah, du coup, le deuxième, c'est ouvert aussi. Oui. J'avais pas vu. Ah oui, Taliak, oui, c'est vrai qu'elle est là, celle-là. Un endroit qu'on connaît. Oui. Et pas parce que c'est un endroit fun. Pas spécialement. Non. Pour rappel, c'est ici qu'on vient prier après la mort de Moenbrida. Oui. Voilà, voilà. Altic nous a dit d'approcher nos artefacts de la pierre. Tu veux commencer? Ouais, je vais rentrer mon portable. L'artefact émet de très légères vibrations. Juste comme ça, c'est très bien. Les informations contenues dans le cristal sont vôtres désormais. Ces cristaux, ou les pierres des douze, comme vous les appelez, sont indestructibles. Quelle que soit leur forme, où qu'elles se trouvent, leur nature est immuable. Elles sont restées les mêmes depuis la nuit des temps. Depuis ce jour, nous avons gravé les inscriptions au centre de notre domaine. Qu'il s'agisse du monument d'Omphalos ou des cristaux en Eorzea, ils ont pris forme lorsque les humains ont commencé à croire en nous, et lorsque nous avons fait vœu de dévouement à la planète. Au fil des siècles, même sans connaître la véritable origine des pierres des douze, vous leur avez inlassablement offert vos prières. Et toute prière tisse inéluctablement un lien entre chaque mortel, lorsque vous priez pour le bien d'autrui, et un lien entre l'humain et le divin, lorsque nous devenons l'objet de votre foi. Quant aux cristaux, ils sont la manifestation du lien qui existe entre nous autres dieux et la planète elle-même. Du coup, lorsque vous vous recueillez devant les pierres des douze, vous contribuez à entretenir le lien qui existe entre vous, nous et la planète. Que c'est beau! C'est beau! Non, c'est beau! J'imagine que vous avez encore une montagne d'histoires à nous raconter, mais que direz-vous de bavarder en route, histoire de gagner du temps? Si on fait pas vite le tour des pierres qui nous ont été attribuées, les autres vont finir par perdre patience. Oh, je pense que il y en a une, elle va être en mode je m'en fous, autant que je peux discuter, ça va. Ouais. Et je pense que les deux autres, c'est pareil. Hein.
Ah, très bien, dans ce cas, prenons la direction des hautes terres du Quartas Central. Mon cristal se trouve au fond d'une grotte très justement appelée l'œil de la conquérante. On a déjà été dans cette grotte, mais je me rappelais plus du tout qu'il y avait une pierre dedans. Parce que je l'avais pas vue. Alors je sais que... Tu verras. Je sais que j'ai fait... Je les ai toutes faites, puisqu'on avait fait les quêtes du mariage comme on avait fait avec Hello. Oui, du coup, techniquement, oui. Mais je me souviens plus du tout où elle est. En gros, c'est une grotte où... Alors, je sais plus, c'est un moment où tu dois aller rechercher soit Biggs, soit Wedge. Dans une grotte du Quartas. Et genre, la pierre, elle est pendue au plafond, en fait. Et je l'avais jamais vue. La pierre de Alan. Non. Mais oui, non, c'est que quand tu fais les quêtes, oui, c'est quand tu vas chercher des infos sur où sont passés l'un ou l'autre, je sais plus, Biggs ou Wedge. Ouais. Je crois que c'est Biggs que tu vas retrouver là, parce que Wedge, il me semble, tu le retrouves sous un pont. Oui, c'est ça. Et du coup, Wedge, Biggs, tu le retrouves dans la grotte de glace là, et ouais, la pierre, elle est au plafond. Je l'avais jamais vue. C'est vrai, je crois que je m'étais fait la réflexion quand justement on avait fait les quêtes avec Hello en mode oh putain, c'est ça là. Et ouais. Mais oui, c'est vrai que pendant qu'on a fait l'épopée, ou même quoi, moi les plusieurs fois où j'ai fait l'épopée, je ne l'avais jamais vu. Il a reçu un SMS sur son mémo. Bah oui, comme ça qu'on fait, hein, parler avec les dieux. Mais oui, voilà, la pierre est là. Ouais. Et c'est vrai que quand tu viens ici, bah, tu regardes pas forcément le plafond. Ouais, faut le savoir, quoi. Et même si tu le regardes, j'ai envie de te dire, un gros caillou, quoi. Ouais. C'est une stalactite, ouais. Ouais. Quel plaisir de pouvoir voyager et discuter avec vous. Si ça tenait qu'à moi, ça arriverait plus souvent. Je suis honoré de me trouver dans ce lieu que les humains m'ont dédié. Ouais, c'est stylé, là. Ouais, je veux dire, les trois lances dessinées, faut les voir. Hein. Ouais, clairement. Ouais. Très clairement. C'est donc ici que se trouve la pierre de Alon, la conquérante. Je vais pas te laisser faire tout le boulot, Ian. Si tu permets, je m'en charge. Il a pris quoi, lui, encore ? Comme objet ? Un livre ? Non, c'était une carte. Ah, une carte, oui. C'est vrai. Une carte toute défoncée. Il va recevoir un SMS sur sa carte, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, t'imagines, t'as juste un post-it qui apparaît dessus. Un post-it qui clignote, genre c'est la notif, tu sais. Oui. Au fait, en t'observant, je me rends compte que tu es devenu visiblement plus robuste ce dernier millénaire. Millénaire, ouais. Mais bah oui. Alone. Mais. Oh, il y a eu quelques guerres, quoi. Ouais. Ah non, une seule, mais... Une, qui a duré un petit moment, quoi. Ouais. Ah, dis, Yann, tu voudrais pas partager avec nous ce que tu sais au sujet du culte de Alone ? Alors, asseyez-vous, ça va être long. Les dieux sont toujours curieux de ce que les humains présentent d'eux, ce que les humains pensent d'eux, pardon. Et ce serait encore plus intéressant de l'entendre de ta bouche. Alors, le nom de Alon est souvent prononcé comme cri de l'arrêt-aliment au combat, ouais. On en parle quand même que les dieux demandent une enquête de satisfaction, là. Ouais, j'avoue. L'église orthodoxe vouée à Alon tend à se dissocier de la politique ishgardaise. Les habitants d'Ishgard sont tout particulièrement dévoués à Alon. Je mettrais bien la première ou la troisième. Le cri de ralliement. Comment dans Pokémon Arceus, on parle bien à Arceus via un smartphone. Ouais. Oui.
Mais j'ai toujours ressenti l'ardeur des Ishgardais, toujours prêts à lutter pour protéger ceux qui comptent à leurs yeux. C'est absolument fascinant, je regrette pas de t'avoir demandé de partager ton expérience avec nous. Je peux aussi témoigner que Alon était profondément peiné de voir les humains et les dragons guerroyer pendant tout un millénaire, au lieu de cohabiter en paix. Tu sais bien qu'il ne nous appartient pas de critiquer les croyances des mortels. Notre rôle est de soutenir les humains au cours de leur existence sur la planète, et non de les guider ou d'intervenir directement dans leurs affaires. La foi que vous autres humains nous vouez vous appartient. Quant à la forme que nous et nos domaines prenons, elle n'est rien de plus que celle que vous nous donnez à travers vos prières. Ah, désolé de t'avoir fait attendre, Dylan. C'est bon, il a eu sa notif post-it. Parfait, puisque ta fille transférait les informations, ne perdons pas plus de temps et partons pour le prochain cristal, le mien. Il se trouve en haut d'une petite colline à l'ouest de l'entrée du vigile d'acier. C'est pas la porte à côté, alors on s'active. Attends. Attata. Ouais, c'est ce que je pensais, oui. C'est ça. C'est un moment de l'histoire du raid que j'ai pas trop compris. D'accord. Mais... Oui, on va pas pouvoir passer par-dessus, il faut quand même faire le tour, hein. Ça fait. Bon, par contre, évidemment, on est en live, donc il neige et il fait nuit, hein. Évidemment. Est-ce que ce serait dommage de profiter de la lumière? C'est loin l'Amérique. Hein. Ah, t'as été la plus rapide. Le cristal n'est plus très loin. Attendons les autres avant de continuer. Regardez, il y a quelqu'un. Peut-être un de mes chers enfants venu m'adresser ses prières. Alors je... Oh bienveillante déesse de la lune, je t'en conjure, aie pitié et accorde-moi ton salut. Toi, je te reconnais. Tu chassais les survivalistes. Voilà, ça remonte, Michel. Je savais bien que tu viendrais un jour exterminer les derniers d'entre nous. C'était écrit, ma fin est arrivée. Les survivalistes, il s'agit de cette secte qui vénérait Dalamud, c'est ça? Tu en as forcément entendu parler. Pendant les événements du 7ème fléau, ils ont été jusqu'à enlever des innocents pour les sacrifier. Ils étaient prêts à tout pour leur culte, même à mourir. J'ai jamais commis aucun crime, je le jure. Que la bien-aimante m'en soit témoin. Bah allez du coup. Au début, nous ne faisions que prier les lunes jumelles. Nous rêvions que Dalamud, le chien de garde de Manfina, porte nos âmes jusqu'à sa maîtresse. Ah, il s'appelait Dalamud. Ok. Oui. Ah, j'ai oublié oui, ça. Oui. Puis Dalamud s'est mis à briller d'une intense lueur rouge. Mes camarades étaient de plus en plus à croire qu'il était notre sauveur, que nous lui devions loyauté et que nos vies lui appartenaient. Ah, je vois, c'est ainsi que vous avez sombré dans le fanatisme, devenant du même coup une organisation dangereuse aux yeux des dirigeants Eorzeans. Et toi, Nilan, tu as dû participer à leur traque pour le compte d'une des cités-états, j'imagine, d'où ta réputation.
Vous savez, je n'étais rien de plus qu'un simple marchand à Ulda. Froussard, je pensais surtout à ne pas me faire remarquer. Je voulais de mal à personne, et encore moins qu'il m'arrive quoi que ce soit. C'est pour cette raison que je me suis tourné vers Manfina, dans l'espoir qu'elle me couvre de son amour et de sa bienveillance, et d'Alamud, le symbole de la force que je n'ai jamais eue. Et mes camarades de Sylvie Rivaliste m'ont tout pris, avec leurs horribles crimes. Ah, sans oublier ceux qui m'ont associé à leurs méfaits. Ah, on m'a arraché ma foi, mon unique aspiration. Toi, tu es forte, hein. Je t'en prie, délivre-moi de cette agonie. Juge-moi et montre-moi la voie. J'en ai plus qu'assez de ces dieux sans forme ni visage qui ne viennent jamais à mon secours malgré mes innombrables prières. Tu devrais pas exiger. Avec son petit nez. Ouais. Elle le juge du nez, attention. Tu devrais pas exiger d'une humaine ce que tu attends des dieux. Il n'est rien de plus qu'un simple être humain comme toi et moi. Le même sang coule dans ses veines. Elle dort la nuit et se lève chaque matin en se demandant de quoi sa vie sera faite, ni plus ni moins. Tu devrais pas te dévaloriser en mettant les autres sur un piédestal. Tu as tracé ta propre voie, et le fait que tu sois toujours debout, malgré le désespoir, prouve que tu n'es en rien différent de Nilan. C'est juste que toi, t'as pas la classe. Franchement, si j'étais toi, je m'en ferais pas. Manfina n'est pas surnommée la bien-aimante par hasard. Alors garde foi en elle, et tu retrouveras ta confiance en toi. Et en tes semblables. Pardonnez-moi, je me suis emporté. L'inquiétude et les doutes que j'avais en moi sont ressortis d'un coup, et je n'ai pas su me contrôler. Je suis sûr que notre rencontre est le fait de Manfina. Je vais écouter vos conseils et essayer de me rafraîchir les idées pour donner un nouveau sens à ma vie. Si t'arrives de perdre à nouveau le fil, je te recommande de voyager et de faire de nouvelles rencontres. Le monde est vaste, et constitue une source d'inspiration infinie. Mon cher enfant, puisse cette route te mener un jour vers le bonheur. Hein? Vous avez entendu cette voix? Ouais, t'inquiète, c'est mon lapin, il parle. Mais oui, si c'est de ça dont tu parlais, je comprends le... Qu'est-ce que ça vient foutre là, en fait? Non, c'est qu'on vient là et qu'il n'y a aucune interaction avec la tombe ou quoi. C'est genre ton perso dans la cinématique, il pense pas une seule seconde ou quoi. Enfin, je sais pas. C'est ouais, c'est vrai que ça aurait été cool. Mais c'est vrai que du coup, ouais, on a fait la tombe de Rochefort juste devant l'hôtel de Manfina. Oui. J'avais oublié ce détail. Oui. Et là, le mec se dit, je parle le lapin. J'avoue. Je me suis peut-être mêlé de ce qui me regarde pas, mais je regrette pas de lui avoir tenu ce discours. Sur ce, Nilan, revenons à nos moutons. À ton tour de transférer les informations depuis la pierre de Manfina cette fois. J'ai reçu un nouveau SMS. Je suis désolé pour ce qui est arrivé tout à l'heure, Dylan. Tu ne t'es pas trop senti importuné, j'espère. Oh,
Me voilà soulagé, tu as vraiment un mental à toute épreuve. Je suis peut-être mal placé pour demander cette faveur, mais j'aimerais que tu n'en tiennes pas rigueur à ce pauvre enfant. Tu sais, même s'il nous arrive parfois de décevoir ou blesser des humains, ce n'est jamais notre intention. Peu importe la forme que vous donnez à notre foi, à votre foi, nous existons uniquement parce que vous croyez en nous. Mon Dalabud bien-aimé ne fait pas exception. Il a vu le jour lorsque les humains ont commencé à vénérer le satellite que leurs ancêtres avaient eux-mêmes mis en orbite. Contrairement à ce qu'on peut penser, nous ne sommes pas tout-puissants. Il nous est impossible d'exaucer tous les vœux de l'humanité. Et je peux t'assurer que nous sommes à l'écoute de chacune de vos prières, même les plus faibles et lointaines. Je voulais absolument transmettre ce message, quoi qu'il arrive, sache que nous aimons les humains de tout notre cœur. Mais techniquement, je suis pas un humain, moi! Juste comme ça, je... Pas dire du mal, hein, mais bon. La quête de Krill. Oh. Oui, bah les vrais humains, normalement, s'appellent des Hurs, donc on est tous humains. Pas chercher. Ouais, mais bon. on a fini avec les pires des 12 dont on avait la charge. On pourrait rentrer directement au Ferlos, mais... Je peux pas m'empêcher de penser à Krill. Elle semblait avoir quelque chose sur le cœur. Je crois que Gratia l'avait remarqué aussi. Même si des dieux l'accompagnent, je suis un peu inquiet. Et si tu lui demandais directement ? Mais t'as raison. Allons trouver Krill pour en avoir le cœur net. Elle est partie vers la forêt de sombre linceul avec Nofika et Birgot, n'est-ce pas ? Je veux dire, elle a deux dieux avec elle, on s'en va aller. La distance est trop grande pour ressentir la présence d'ici, mais je devrais pouvoir les localiser si nous approchons. Très bien, dans ce cas, retrouvons-nous à Gridania. Mais en vrai, je trouve ça très cool, hein, tout le lore qu'on apprend sur les dieux et tout ça. Ah oui, oui, clairement. Je trouve ça beaucoup trop stylé. Bon, voilà, arrive à Gridania. Manfina, arrives-tu à localiser Nofika et Birgot? Je peux les sentir, mais il y a quelque chose qui cloche. Oui, on dirait qu'ils se sont séparés. Nofika est la plus proche des deux, je vais aller la trouver. Vas-y, cherche alors, cherche. Dire, ouais. C'est quand même tard pour avoir du lore sur les dieux. Ouais. Ah bon sang, viens Nilan. Ouais. Arpé par là, avant de partir, ton perso aurait dû se recueillir sur la tombe de son ami. Oui, bah oui, je suis assez d'accord. Là, c'est juste... Il y aurait rien eu dans le décor, c'était pareil. C'est ça. Oh, c'est transformé en petit... C'est trop mignon. C'est déjà terminé votre visite des cristaux? Oui madame. Enfin, oui Bobby, pardon. Ah la voilà. Alors qu'est-ce que vous faites tous ici? Nous sommes venus voir Krill, elle est pas avec toi? J'ai été séparé des autres pendant que j'écoutais les esprits de la Sylve. Ils portent la voix de tous les habitants de la forêt et lorsque je suis de passage, ils ne manquent jamais de me tenir au courant des dernières nouvelles. Non, ça veut dire que tu viens souvent ou comment ça se passe? Parce que là, Bobby, elle a juste fait Radio Potin à Gridania. Hein. comment ça, vous avez été séparés? T'es capable de ressentir la présence de Birgot, non? J'ai plutôt l'impression que tu ne dis pas tout, Nofika.
Ah, toi, alors, on peut rien te cacher, hein. Très bien, voilà ce qui s'est passé. Krill nous a assuré que notre escorte n'était pas nécessaire et elle nous a demandé de la laisser visiter les cristaux toute seule. Ainsi, nous n'avons fait que respecter sa volonté. Au vu de sa maîtrise de la magie, je pense pas qu'elle soit en danger dans la forêt. Par contre, anxieux comme il est, Birgot a préféré la suivre discrètement. Ah, effectivement, si c'est ce que cet enfant voulait, vous avez eu raison de lui accorder son souhait. Nous devons respecter les désirs des humains avant tout. Quant à Birgot, voyons voir. Je peux sentir dans sa présence dans la forêt du sud. Si je ne m'abuse, une des pierres des 12 se trouve là-bas, non loin du lac des racines. Allons chercher Birgot et nous trouverons Krill. Bon, on va sortir par les dérites, hein, pas s'embêter. Putain, mais même ici, brouillard quoi, sans mec. Ah oui, attends, elle est dégueulasse. Ah, vie de Dieu. Oh, c'est loin, ouais, TP, un chier. Excusez-moi, hein, mais bon. Oui, non, elle est en dessous. Ah, mon Dieu, ce poisson, ce buisson frémit. Aucune trace de Birgot, c'était certainement le vent. Et le todo, c'est le vent aussi. Une trace de Birgot, il a dû se cacher ailleurs. Ah, la musique de Bobby. Une autre momie. Ah, il y a plein de momies. Il n'y a que des momies. Jolie nata pour level 65. Le GG. Qu'est-ce que vous fabriquez tous ici? On est venu prendre des nouvelles de Krill, tu sais où elle se trouve? Après avoir obtenu les informations de mon cristal, elle s'est dirigée vers celui d'Altic. Comme je voulais pas qu'elle me remarque, je me cachais ici le temps qu'elle s'éloigne suffisamment. Cristal d'Altic est le dernier qu'elle est censée visiter, c'est ça? Je propose qu'on aille tous ensemble pour la retrouver sur place. Très bien, si tout le monde est d'accord, allons-y. Je vais invoquer des émissaires d'Oralgre pour nous faciliter la route. Vous n'aurez qu'à nous porter... Hein? Okay. Hein? Comment ça, faut que je te porte? Ah, la magie du hors-champ, hein. Voilà une monture. Oh, quelqu'un qui fait ses crafts là. Ouais, ouais, il y a quelqu'un qui crafte là. Très bien. Avec un... Il y a d'autres endroits pour crafter qu'un marais, hein, Jacqueline. Ouais, et avec un... Un rouet rose, hein, bon. essayons de ne pas savoir créer depuis les airs, tout en nous dirigeant vers la pierre d'Altic. T'en fais pas pour nos petites mascottes, elles embarquent avec moi, tu es prête. Ok, ouais. Ah, oh, elle a Mini Alone. Ah, quel animal gracieux que le vent porte tes ailes, mon petit. Ouais, c'est... Alors c'est bien parce qu'il me dit, ouais, on l'apercevra d'en haut, il y a du brouillard, mec. va falloir voler bas si tu veux l'avoir. J'en profite pour traverser, Dylan. Je n'aurais jamais parcouru tout ce chemin sans ton aide, et je suis comblé. Toujours aucun signe de Krill. Continuons vers la pierre d'Altic. Par contre, c'est chiant, hein. Leurs aigles à eux, ils ont pas la radio. Hein. C'est...
y est, je la vois. Ah, pas traîné dans le chemin, dis donc. Non seulement faut la repérer dans le brouillard, mais en plus, c'est une de la Lafel. En plus. Oh, et cette musique aussi. On a perdu notre patate. Eh, j'aurais pas vu ma patate. Ah, ça alors, comme vaut cette visite en si grand comité. J'étais sur mes gardes au cas où je tomberais sur Rodin, donc vous m'avez fait une petite frayeur. Ah oui. Gravou. Ouais. C'est-à-dire qu'elle s'est préparée juste à croiser Odin, tu vois, c'est pas drôle, genre toutes les créatures qui veulent te bouffer dans la forêt. Non, non, c'est juste Odin. Dofika nous a dit que tu avais souhaité voyager seul. Avais-tu une raison particulière de congédier les dieux qui t'accompagnaient? Eh ben, comment dire? En fait, c'est très simple. Je suppose que j'avais besoin de trouver les réponses à nos questions à ma façon. Les dieux nous ont bien dit que nous devrions découvrir la vérité par nous-mêmes, n'est-ce pas? Malgré tout, ils nous ont sciemment mis sur la voie et ils sont même allés jusqu'à nous Hein? Ouais, ils sont venus avec nous. D'après moi, cette attitude est la preuve qu'ils placent une grande confiance en l'humanité et en notre quête de la vérité. Et je suis profondément touché. Après tout, quoi de mieux pour caractériser les élèves de Baldession qu'un vif esprit d'inquisition? Oh, va faire des Theos Vult. On va avoir une patate arrivée en armure de plate complète. Secours. Tout ce que je désire, c'est faire la lumière sur ce fameux espoir que les 12 souhaitent concrétiser, pour mieux les connaître et mieux les comprendre. Il se trouve que j'ai été témoin de nombreuses aventures vécues par Nilan et nos amis en commun, mais souvent à distance, ce qui a attisé ma soif de voyage et de découverte. C'est pas déjà le cas avec Pipin. C'est vrai que... on a une patate en armure. Ouais. Ouais. C'est vrai, j'avais oublié, mais en effet. Je suis conscient du danger, bien sûr, mais je voulais simplement me prouver que j'étais capable de me débrouiller seul et de me rendre utile sur le terrain. Je vois. En effet, si on peut toujours apprendre en écoutant des autres, rien ne vaut de vivre certaines expériences par soi-même. Je vis dans tes yeux cet ardent désir d'arpenter notre vaste monde et de braver ses innombrables périls. Et cela emplit mon cœur d'une infinie allégresse. Ce qui vous prend tout à coup, ne dis pas des choses pareilles avec un air aussi sérieux. Si vous permettez, je n'ai pas encore transféré les informations de la pierre d'Altique. Vous pourriez aller m'attendre au moulin de la carrière, ce sera pas long. Sinon, on peut rester là et te regarder faire et te juger. Ah, mais les mecs, ils nous payent les TP là, c'est un bonheur. J'avoue. Qu'est-ce qu'il dit, petit lapin? Zafika et Birgo ne sont pas les derniers pour faire preuve de mansuétude envers les humains. Dans cette région, les prières à l'attention de Nofika sont empreintes d'une profonde ferveur. Ah bah oui, oui. Attends donc Krill ici, Nofika et Birgot sont avec elle, donc elle n'a rien à craindre. D'abord le survivaliste à la pierre de Menfina et maintenant Krill. Depuis qu'on voyage ensemble, je me surprends à intervenir dans l'existence des autres. Ouhouhou. Et dans la tienne aussi, c'est vrai. Et pourtant, même si tu me suis partout, depuis que je t'ai soigné, tu es libre de vivre comme tu l'entends. Toute vie n'appartient qu'à son détenteur. Sans pouvoir en assumer la responsabilité, aucun autre individu ne devrait s'en mêler. Et pourtant... quand une personne vous avoue ce qu'elle a sur le cœur, difficile de rester insensible. Ah, que les relations humaines sont compliquées.
Le secret des 12. Oh. L'obtention des informations des pierres des 12 est un procédé succinct. Kree ne devrait pas plus tarder maintenant. Désolé de vous avoir fait attendre. Avec celle-ci, j'en ai terminé avec mes pierres des 12. Vous avez déjà fini avec les vôtres, n'est-ce pas? Absolument. Je vous remercie de vous être inquiété pour moi. C'est important de pouvoir se débrouiller, mais c'est aussi bon de savoir qu'on peut compter sur ses amis. Nafika, Birgot, vous avez respecté ma volonté sans me demander aucune explication et je vous en suis infiniment reconnaissante. Ne t'en fais pas, mortel. Tu as brillamment accompli ta mission, c'est tout ce qui importe. Sur ce, il est temps de regagner notre domaine. En haut, tout le monde. C'est bien parce que Ra et la Rogadine dont j'ai déjà oublié le nom... Ah, pas laisse-toi, Insérer nom Rogadine, random. Ouais, ouais, truc, ça finit en game, mais est-ce que c'est après Ça c'est un game. Ah oui, c'est un game. C'est un game, bref, un truc comme ça. Ça c'est un game. C'est un game grave. Ça fait dire comme fin Daniel. Voilà, Jacqueline qui manipule les reproducteurs, exactement. Tout à fait. J'aurais pas dit mieux. Ta patite, ta tatouille. On commence à s'inquiéter, Dylan. Qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps? Ah, moi j'avais fini, il y avait une patate sur ma route. Ah, t'as retrouvé Krill en route, alors comment s'est passé ce voyage en divine compagnie de ton côté? Il y a eu zéro argument, je suis déçu. J'avoue. Ah, la balade m'a manqué d'arguments. Ouais, en plus des pierres, t'as trouvé le temps d'aider un inconnu à relever la tête et même t'assurer que Krill allait bien. Décidément, t'es incroyable. Bravo pour tout, hein. Oui, pour tous ces petits exploits. Et merci aussi à Derek, hein, bien évidemment. J'ai la désagréable impression de m'être mêlé de ce qui me regarde pas, mais ce qui est fait est fait. Désolé de vous interrompre, mais il est temps que nous regagnions nos domaines respectifs. Merci pour cette expérience. Merci pour la balade, hein. Il ne reste plus qu'à approcher vos artefacts du monument central pour compléter les inscriptions et les déchiffrer. Bonne chance à vous, et à bientôt. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Tout le monde est prêt? Tiens, mon Spartan! Donc ouais, c'était livre. Livre. Je crois que Ra, c'était livre aussi. Ouais, c'est ça. Mais celui de Ra ressemble beaucoup à... aux chroniques des... qu'on a oui. Vu dans les chroniques de Fortan. Oui, 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 c'est vrai. Calme-toi, Jacqueline! Regardez, les inscriptions sont claires comme de l'eau de roche maintenant. Je vais les lire à voix haute. En tant qu'être issu de la volonté de la planète, notre nature pourra être influencée par les espoirs et les prières de ses habitants. Ainsi, inscrivons-nous ici nos joues et faisons vœu de nous y soumettre. Moi, Birgot, je régirai l'architecture. J'aurai pour devoir de consolider les constructions des humains et de les inciter à la création. Moi, Ralgre, régirai la destruction. J'aurai pour devoir de fortifier le cœur de la planète et d'encourager la renaissance de l'humanité.
moi, Azema, régirai le soleil. J'aurai pour devoir de dispenser la clarté, source de vie, et de faire de la lumière sur... et faire la lumière pardon, sur la vérité aux yeux de tous. Moi, Naltal, régirai les profondeurs. J'aurai pour devoir de faire briller les ressources enfouies sous terre et les qualités renfermées par les humains. Moi, Nofika, régirai l'abondance. Ah oui, je confirme. Ah oui. J'aurai pour devoir d'insuffler la vie à la planète et de favoriser le calme et la paix entre les humains. Moi, Altik, régirai la gravité. J'aurai pour devoir de conférer matière à la planète et d'encourager la marche en avant de l'humanité. Moi, Alon, régirai les glaciers. J'aurai pour devoir d'entraver la fonte des glaces et de stimuler la persévérance des humains. Moi, Menfina, régirai la révolution de la planète et de sa lune. J'aurai pour devoir d'assurer le cycle du jour et de la nuit et de protéger l'amour de l'humanité. Moi, Taliak, régirai les rivières. J'aurai pour devoir d'étancher la soif des humains et d'abreuver leur esprit de sagesse. Moi, Nimeya, régirai les étoiles. J'aurai pour devoir de maintenir le changement des saisons et de tisser le destin des humains. Et de fêter Noël! Oui! Cunu! Ah oui, surtout Cunu! Ah, parce que c'est que comme ça qu'on fête Noël! Hein. Bah oui! Je veux dire, si vous avez jamais fêté Noël cul nu, vous avez raté votre vie. Hein. Ah, vous devriez essayer. Hein. Ça vous change à Noël. Hein. Comment ça, quoi, Noël cul nu? Ben parce que. Oui, alors c'est sûr, si t'as pas le contexte. C'est vrai que si t'as pas tout le contexte, ça peut paraître un peu bizarre. En gros, dans FF, le saint de Nimeya, donc globalement le Père Noël, est représenté, on va dire, et le rôle est joué par Godbert. Godbert qui est l'orfèvre le plus balèze des Orzea, qui se balade toujours en calbut. Même quand il est le saint de Nimeya. Donc voilà. du coup les yeux hein, parce que Noël cul nu. Ouais, ouais, les yeux ouais. Ouais, ouais, voilà. Voilà le père de Il Doudou, oui en effet. Moi Limlen régirai les mers et les océans. J'aurai pour devoir de réguler les marées et d'encourager la coopération des humains lors de leur traversée. Moi je sais jamais si c'est Auchan. Ça sera... Dans le doute, c'est Auchan. C'est ce que j'allais dire. Ce sera Auchan. Régirai les montagnes. J'aurai pour devoir de fortifier les vents descendant des sommets et d'apaiser la solitude des humains au cours de mes voyages. Du coup, c'est Auchan, il fait le vent. Moi, innommé, aurai pour devoir de veille perpétuelle et éternelle. J'archiverai systématiquement chacune de mes observations. Il y a donc un 13e dieu ? Treizième entité, ouais. Ouais. Ah, tout ce qui est écrit. Qu'est-ce que ça peut signifier ? Donc j'imagine que le 13e, c'est la fameuse menace dont nous parlaient les autres précédemment. Oui, oui, oui. Ils vont nous faire une gueule d'or, hein, ça continue. C'est-à-dire ? On va péter la gueule au dieu des secrets. Ah, oui. Manque plus que les tentaculés, on y est. Ah non.
L'espoir et les prières des humains influenceraient donc la nature des dieux ? Et ce mot joue l'employé. On croirait à des chaînes les privant de leur liberté. En fait, tout à l'heure, j'ai imaginé Nimeya déguisé en Père Noël sans pantalon et sans rien d'autre. Bah oui ! C'est le Saint Nimeya ! Le fameux Noël cul nu. Oui, mais c'est pas la Nimeya, c'est juste le saint de Nimeya. Ah oui. C'est bizarre ce que je viens de dire. Ouais, c'est très bizarre. Mais... Au point où on en est, après j'ai envie de dire. qu'est-ce que tu penses de tout ça, Dylan? Déjà, les saints de Nimeya, ouais. Au nombre de deux ils sont, ni plus ni moins. toujours par deux ils vont. Voilà, le maître et son apprenti. Alors savoir qui est le maître et qui est l'apprenti, ça... Aïe, aïe, aïe. Oh, secours, hein. Ah, je te le fais pas dire, hein. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Dylan? Bon, on est en train d'en parler justement là. Je fatigué. D'après Manfina, les prières des Ilgardiens ont rendu Alone plus robuste. La vénération de la mine a engendré le chaîne garde de Manfina. Ouais, mais je vois pas en quoi ça répond à la question. Demain, nous sommes samedi. Parce que je suis désolé, Ra nous a dit, et toi, franchement, enfin, on nous parle de la 13ème entité, machin, tout ça. Ra nous dit, et toi, Dylan, t'en penses quoi? Et tu peux lui répondre. Ah ouais, Manfina, elle m'a dit que Alone était plus puissante à cause des Ilgardiens. Et ou, je peux lui répondre, ouais, maintenant, Manfina, elle a un chien parce que il a été vénéré. Ouais. et encore? Bah pour le chien du coup, je... Les dieux que nous avons rencontrés seraient donc le résultat des prières que l'ont adressées les humains. Ça paraît difficile à croire. Si j'imagine du jour au lendemain, Manfina s'est retrouvée avec un chien en mode... Bah, what the fuck. Pourtant, nous avons bien vu que le dynamisme réagissait aux sentiments et que le moindre souhait innocent pouvait avoir son importance. Même si l'effet de cette énergie est presque imperceptible sur notre planète, il est possible que plusieurs millénaires de culte aient altéré l'apparence et le caractère des 12. Il y a l'exemple donné par Nelan, bien sûr, mais aussi la lance et le bouclier de Alone, symbole de son état de déesse de la guerre. Ou encore le rouet de Nimeya, qui évoque à merveille son lien avec le destin. Alors, après, en plus, y a des trucs, il y a des liens entre eux, genre il y en a c'est le frère de l'autre, l'autre c'est la mère de chez Pookie et tout. Oui, c'est un bordel. Vous voyez, Cluedo, pire. Ainsi, les dieux auraient eux-mêmes créé ce monument afin de ne jamais oublier qui ils sont et la mission qu'on leur a donnée lors de leur création. Ça se tient, non? Mais en vrai, la question que je me pose depuis qu'on a commencé en fait ce raid, c'est pourquoi et comment ils ont été créés. Je me joins à ta théorie, Ra. Rappelons-nous ce qui était inscrit en préambule, en tant qu'être issu de la volonté de la planète. Nous savons mieux que quiconque à qui ce passage fait allusion. À Idoline, bien sûr. En fragmentant la planète, elle devait se douter qu'elle déréglerait profondément les lois de la nature et de l'existence. Elle aura donc eu besoin de collaborateurs pour rétablir l'ordre original. Ça se tient. Si c'est le cas, cet être sans nom mentionné dans la 13ème inscription ne peut s'agir que du veilleur sélénien. Oh. Putain, j'aurais jamais fait le rapprochement. Ouais, non, moi non plus. C'est ce que je pense aussi. Je me demande s'il aurait des choses à nous apprendre au sujet des 12.
qui est sûr, c'est qu'il nous reste encore 3 dieux à affronter. Si nous parvenons à les vaincre, ce sera sans doute un pas de plus vers cette vérité qui nous échappe. À moins que... Est-ce vraiment raisonnable de continuer à nous battre ainsi? Bah, j'ai envie de dire, les dieux sont en kiff quand ils nous, quand ils nous affrontent, et nous aussi, donc let's go, hein. Ah oui. Pour établir notre plan d'action, je propose que Ra et moi rentrions à Charlayan afin d'analyser nos découvertes. L'hétérographe a certainement de nombreux secrets à nous révéler. J'ai hâte de décortiquer un à un tous ces précieux relevés. Et dire que cette enquête va peut-être nous amener jusqu'à la Lune, j'aurais pas rêvé mieux. Pff, oh, la Lune, j'ai envie de dire, c'est surfait, hein. Et y a un cratère, des lapins, et puis c'est tout, hein. Nilan, il est fort probable que tu doives te battre à nouveau. En attendant notre prochaine rencontre avec les dieux, je compte sur toi pour te préparer comme il se doit. Pourquoi vous n'allez pas directement voir le veilleur pour lui demander? Bah parce qu'on va attendre 4 mois pour le faire. Enfin non, 8. Bon, 8. On le fera ça dans 8 mois. On aurait pu le faire là, en genre dernière quête, mais non. Bah ouais. On va voir quoi. L'heure de vérité approche, hein. Ouais, alors... Dans 8 mois, quoi. Pas de temps devant toi, Michel, hein. J'espère que t'as préparé la tente et la bouffe, hein, parce que tu vas rester là un petit moment. Hein. Je suis décidément impressionné par le cœur que vous mettez à l'ouvrage. À vrai dire, même si j'ai passé la majeure partie de ma vie à voyager, je n'avais jamais eu l'occasion de côtoyer quelqu'un d'aussi longtemps. Quand je pense au moment où nos routes devront se séparer, je ressens une immense tristesse. J'ignorais que la solitude pouvait être douloureuse. Et voilà que je deviens sentimental. Pardonnez-moi pour ces divagations. Je crois que j'ai besoin d'aller faire un tour pour me rafraîchir les idées. Ouais, va boire un coup, ça ira mieux. Il est parti si soudainement. Ilan, tu voudrais bien le suivre, s'il te plaît ? Derek est un précieux membre de notre équipe, mais j'ai toujours cette impression qu'un jour il disparaîtra et ne reviendra jamais. Mouais. Je sais, ça va finir en Guldor, hein, j'annonce. Hein. Nilan, qu'y a-t-il? Bon bah dites venir, du coup je viens. C'est un gars, il m'a peur que je m'en aille pour de bon, hein. C'est gentil de sa part. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est la vérité, qu'on le veuille ou non. Si notre travail ensemble sera terminé, nos routes devront se séparer. Comme je te l'ai déjà dit, cette conclusion me chagrine au plus haut point. Mais c'est un chagrin proportionnel à tous les bons moments que nous avons passés ensemble. Et nous avons encore beaucoup à accomplir, donc j'ai bien l'intention d'en profiter jusqu'à la fin. Coucou. Dans ses yeux vides de débile, je suis sûr qu'il y a un dieu caché là.
Oh, j'avoue. Avec toi aussi, bien sûr, même si, comme je te l'ai déjà dit, tu es libre de mener ta vie loin de moi dès que tu en auras envie. Eh bien, Ilan, tu as certainement mieux à faire que m'écouter radoter, n'est-ce pas? Je m'en voudrais de te retenir plus longtemps. Comme la dernière fois, tu peux être certaine que je te préviendrai dès qu'il y aura du nouveau. À bientôt. Eh ben non, à dans 8 mois. Hein. À plus. Hein. Puisque la prochaine fois, ce sera le Red, 20, le Red 8. Oui. Et voilà. La fin de Pandemonium. Très curieux de ce que ça pourra donner en vrai. Oui, pareil. Parce que quand je vois... Bah, comme je dis, le raid des 12 à la base, je suis en mode, ouais, bon, on verra. Mm-hmm. Et que littéralement, c'est beaucoup trop la hype. Oui. Quand je vois Pandemonium première partie, je suis en mode, ouais, bon, pas fou. Et la deuxième, je suis en mode, oh, c'est trop bien. Surtout grâce à la Brea, évidemment. Hein. Oui, oui, évidemment. Tout le côté là, vrai, je t'abandonne, oh, c'est trop bien! Et je vais en train de parler et tout. Ouais, 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 carrément. Et donc, ouais, je suis assez, à la fois. Autant j'étais pas hypé par. Enfin, j'étais ultra hypé avant Pandemonium. La première partie, j'étais en mode, mouais, beau. Et. Ouais. Et la deuxième, j'étais trop bien. Donc, je suis très curieux de voir ce que va donner la fin. Et le Red des 12, c'est l'inverse, j'étais en mode ouais, pas hypé aux F. Quand le 1 est sorti, c'était oh, c'est trop bien! Et là, c'était trop bien aussi, donc voilà. Ouais, 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 clairement. Ouais, les raids se sont bien rattrapés. Ouais, clairement, clairement. Je sais pas pourquoi, mais je le vois dans le rôle du vagabond, genre il est là déguisé depuis longtemps et a oublié qu'il est, mais ça collait pas vu que Jean est l'amant de Medfina. Ouais, je voulais juste voir ça sur la création de perso. On va voir. Juste rapidement. Parce que je sais que sur la création de perso, c'est marqué les liens de machin et compagnie là. Osef. Alors. Alon. Elle est la fille de Ralgr. Ok. Et la rivale de Nofika. Ouais, c'est un bordel. Voilà. Prenez des notes, il y aura une interrogation. Donc, Ralgr, fille Alon, rivale Nofika. C'est pour ça que quand t'as parlé, là où tout à l'heure, t'as dit « Eh, mais tu sais qu'on n'a pas le droit !» Et l'autre était en mode « Ouais, bah on s'en fout !» Donc ça, ok. Menfina. La demi-sœur de Azema. Et la bien-aimée de Auchan. Auchan. Donc la demi-sœur de Azema. Alors attends, Azema, t'es où? C'est le soleil. Azema, c'est la fille de Altik. Et du coup, la sœur de Menfina. C'est chiant. Du coup, Altik. Où qu'il est? Là. C'est le père donc de Azema. Et de Menfina. Attends, de Menfina. Oui. Oui. Et le frère de Nemeya. Donc Nemeya. Nemeya, elle est là. Donc, la sœur de Altik et la préceptrice de Ralgr. Oh. Alors, Taliak. On commence un nouveau groupe. Taliak, le père de Limlaen et le maître de Birgot. Donc, Limlaen est la fille de Taliak. Et la sœur de Nofika. Ah, c'est aidez-moi. C'est un bordel. Donc Nofika, la fille de Azema
et la sœur de Limlaen. Bon, ça va, là, on n'a pas de nouveaux liens, tout va bien. Mais si, attends. Ah si, la fille d'Azema. Donc Azema, qui est la sœur de Manfina, et la mère de Nofika. Qui c'est qu'on n'a pas vu? Tiens, voilà des schémas. Ah, il a fait des schémas? Non, j'ai pas fait des schémas, j'ai trouvé des schémas. Ah! Oh putain, il a des schémas. Mais attendez. Avant des schémas, je veux finir la lecture. J'en ai trouvé un plus bordélique encore. Attends, il est où? Vas-y, fais péter. Il est là. Oh ouais, c'est un merdier complet. Oh oui. Oh, il est beau celui-là. Oh oui. Fais-moi rêver, voilà. Vas-y. Ça illustre bien le bordel que t'es en train de faire. Il y a des flèches partout. Ah, j'avoue, il est magique celui-là. Donc reprenons. Prochain, c'est le beau-frère de Naltal et l'ami de Alon. Alors, ami intime, hein, donc voilà. Donc Naltal. Attends, Birgot, on en a pas vu. Birgot, disciple de Taliak et frère aîné de Alon. Voilà. Donc Ral, on a vu que c'est le père de Birgot et Alon, et le serviteur de Nimeya. Azema, du coup, on a vu. Naltal. Manifestation donc des jumeaux Nald et Tal. Et Tal, pardon. Possédant de visage. Ah, lui, ils ont rien donné, lui, on s'en fout. Très bien. Voilà. Et Altic, après, on a vu. Voilà. Donc, voilà le bordel que c'est. Donc, pour illustrer tout ça, on a ça. Alors. Secours. C'est un bordel. Alors, on va prendre plus lisible, hein, parce que celui-là, disons-le, c'est clairement illisible. Il y a des flèches partout, il y a des flèches. Oui. Alors, on a celui-là. Donc. Ouais, non, mais celui-là il est chiant, celui-là. Ah, vous auriez pas pu prendre des couleurs encore plus similaires pour vos trucs, là? Ah ouais, non, mais... Voilà, celui-là est mieux. Donc on a... Mais il est en mauvaise qualité, c'est dommage. Ouais, mais bon, on va faire avec. Oh, ouais. Donc Nimeya et Altic, donc... Mais attends, mais ils sont... Oui, ils sont frères. Enfin, frères et sœurs, oui, Nimeya et Altic. Oui, frères et sœurs, oui. Voilà. Oui. Donc Altic a eu des gamins. Non, ou c'est les parents? C'est dans quel sens? Attends. Ah, oh, c'est encore plus le bordel. Azema, la fille de Altic. Ok, donc oui, non, c'est ça. Donc, Altic a eu deux enfants. Donc, Azema et Manfina. Azema est en couple avec Taliak. Manfina en couple avec Auchan. Auchan, qui est frère... double frère. Frère et sœur à la fois. Avec Naltal. Il a les deux casquettes de frère et sœur. Et du coup, Auchan, c'est le compagnon de Alon, qui est la sœur de Birgot. Et leurs parents, du coup leur père, c'est Ralgre. Donc du coup, pour remonter, on a Azema et Taliak ensemble, qui ont eu Nofika et Limlaen. Mais du coup, attends, pourquoi Alon et Nofika sont notés comme ennemis? Je sais pas. Ouais, ils sont rivales, ils sont pas ennemis, c'est... Ouais. Ouais, la rivale de Nofika.
Mais qui serait au-dessus de Attic et Dimeya? Bah techniquement, ce serait Idoline en fait. De ce que on en sait pour l'instant, ce serait Idoline. Mais celui-là, putain, mais celui-là, il est magique, hein, disons-le. Ah oui, 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 oui. Il est magique. Mais en vrai, c'est super intéressant, mais c'est tellement un bordel que, bon, voilà. C'est compliqué. Ah, c'est Dallas ce truc. Ah mais Game of Thrones, il y a plus de persos, mais c'est moins compliqué. Donc au bout d'un moment, hein. Bah en vrai, je trouve ça cool qu'on ait enfin du lore sur les yeux. Mais je trouve dommage qu'ils aient pas plus d'importance sur les personnages. Oui. Parce qu'en soi, bon, pour ceux qui jouent pas forcément, mais voilà. Mais globalement, quand on crée notre perso, on choisit notre divinité. Mais ça n'influe absolument sur rien du tout. Ouais. Ce que je trouve dommage. Là, justement, en plus, on fait un raid avec les 12. Ça aurait été cool d'avoir du coup un... ne serait-ce qu'aller, peut-être pas un petit dialogue, mais allez, une ligne de dialogue qui change en fonction de quel est ton dieu. Ouais. Voilà. Après, ça n'empêche pas que le raid est excellent, hein, disons-le. Le raid est juste beaucoup trop cool. Mais du coup, bah, va falloir attendre 8 mois pour avoir la suite, hein, et fin de cette histoire-là. Ouais.